Nous n'oublierons jamais Alan. Les Syriens, les vrais Syriens, ceux qu'il est allé aider, sont en larmes. Les messages affluent sur les réseaux sociaux de la part de nombreux Syriens qui ne connaissaient pas Alan, mais savaient qu'il était là-bas pour les aider. Ces personnes qui tuent des innocents, pas seulement des non-musulmans, mais des Syriens innocents, ces gens-là sont en dehors de l'islam. En dehors de l'islam. Notre religion est une religion de paix et de tolérance. Alan doit être placé sur un piédestal. Il y a 1,7 milliard de musulmans dans le monde qui ne bougent pas. Et lui, un non-musulman, il s'est engagé pour aider la population syrienne. Et voilà ce qui lui est arrivé. Je suis totalement sous le choc, car j'étais persuadée qu'il finirait par être relâché. Il était un simple travailleur humanitaire. Je suis sous le choc, mais aussi dégoûtée et en colère que des êtres humains soient capables d'une chose pareille. Comment peut-on faire ça à un humanitaire qui n'est coupable de rien? Tout le monde savait sur place ce qu'il était venu faire.